Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Le monde du sport automobile est en deuil. Jim Clark, le champion britannique, deux fois champion du monde Formule 1, s'est tué hier sur le circuit de Hockenheim alors qu'il disputait le trophée d'Allemagne. Il était âgé de 32 ans. Si nous en parlons aujourd'hui dans notre édition régionale, bien que sa disparition ait été largement commentée sur la chaîne nationale, c'est que pour nous autres Auvergnats, Jim Clark est loin d'être un inconnu. En effet, toutes ces photos qui passent devant vos yeux ont été prises le 27 juin 1965, alors que cette année-là, le Grand Prix de France se déroulait sur le circuit de Charade. Sa simplicité, son air bon enfant et son sourire l'avaient fait accepter d'emblée par la foule, composée surtout de jeunes qui le considéraient comme leur idole. Ce jour-là, Jim Clark, une fois de plus, avait conduit sa Lotus à la victoire. Il serait trop long de citer toutes ses victoires. Il en comptait en effet 25, dépassant ainsi d'une palme le record de Fangio. Son père lui avait demandé il y a quelque temps de renoncer à la compétition, redoutant le pire. Mais Jim lui avait expliqué, aidé en cela par sa mère, que la course automobile était toute sa vie et que la chance était avec lui. En effet, au cours de sa longue carrière de coureur, Jim Clark était venu très jeune à la compétition et il n'avait eu qu'un seul accident, un peu sérieux, le 13 août 1960, au cours du Grand Prix du Portugal. Sa voiture, alors, s'était retournée, le laissant sérieusement commotionné. Avec la disparition de Jim Clark, c'est la vision d'une Lotus portant le numéro 6, follement acclamée, qui revient à notre mémoire. Jim Clark, qui est venu un jour de juin en Auvergne pour y cueillir une victoire. Le corps de Jim Clark a été ramené aujourd'hui en Écosse, et les obsèques se dérouleront après-demain mercredi dans son village natal à Shunside, près d'Édimbourg. Et maintenant, je vous propose de voir la suite de notre